Donne à César ce qui appartient à César. À Dieu ce qui appartient à Dieu. Tu finis ton culte là. Arrête d'aller causer tes camarades. Va causer avec ton mari. Tu quittes à l'église encore. Ton mari veut causer avec toi. Il va retourner causer sur WhatsApp. Tu parles avec qui? J'ai parlé à mon pasteur. On peut faire ça à 23h là. Non, non. Il y en a des temps de prière. Les femmes là, arrêtez de faire pécher les pasteurs. Non, mon mari ne me touche pas bien. C'est à ton pasteur qui vient dire. C'est pour qui prie ou quoi? Il y a des sujets qui ne relèvent pas de la spiritualité. Ne peux pas parler ça à ton pasteur. Parle de ça à ta mère. Parle de ça à ta tante. Parle de ça à une personne qui peut te donner des conseils sur comment remanier ton mari. Mais ton pasteur. Ou bien parle de ça à la femme du pasteur. Mais mon mari ne me touche pas bien. Ça a quoi à voir avec le pasteur? Le pasteur, c'est un homme. Ne fais pas s'arrêter, va dire. Tout ça là, on ne touche pas. Et voilà comment le désordre arriva. Arrête de venir mettre des choses dans l'esprit de quelqu'un pendant que ça n'avait pas existé. C'est vous qui vous exposez à des choses bizarres. Il y a des sujets que tu ne dois pas partager avec un homme spirituel parce qu'il faut séparer les eaux d'avec les eaux. Lui, il est là pour entretenir ton âme. Il n'est pas là pour entretenir ton corps. Donc, parle-lui des choses qui concernent ton âme. Et concernent ton corps, la laisse. Vous mettez les maris en conflit avec les pasteurs. Aujourd'hui, des femmes ne sont plus proches de leur pasteur que de leur mari. Ça peut créer la jalousie parce qu'il est censé être le chef de la femme. Mais il se rend compte que c'est ton pasteur qui est ton chef. Ce que lui dit là, tu n'écoutes pas ce que ton pasteur dit là. Tu écoutes. Ça veut dire que ton pasteur a plus d'autorité sur toi que lui, il en a sur toi. Mais un couple comme ça ne peut pas marcher. Ça veut dire qu'indirectement, même s'il ne te dit pas pour ne pas rentrer en conflit direct avec le pasteur, il va créer un palabre qui n'a rien à voir avec ça. Mais en réalité, qui dépend de ça. Et il ne pourra pas dire. Parce que s'il dit, tu vas te dire qu'il est jaloux. Je suis garçon, je sais de quoi il parle. Il va te créer une histoire qui n'a rien à voir avec ça, mais qui est en relation avec ça. Quand on va lui demander là, elle est impolie, elle respecte rien, j'ai dit un, elle dit deux. La seule chose qui te reproche, c'est que tu es trop proche d'un homme. Tu l'appelles pasteur, comprends pas ça. Parce que c'est aussi un homme. Il y a quoi? Il est dans notre vie comme ça. Quelque chose se passe dans ta maison, tu cours, tu t'en dis au pasteur. Ton mari n'est pas ton ami, hein. Tu cours, tu t'en dis au pasteur. Il y a quoi? Arrêtez de donner la place de César à Dieu. Dieu a une place de gérer ton âme. Le pasteur doit t'accompagner pour que tu arrives au ciel, pas en chambre. Le désordre qui se produit, c'est parce que beaucoup de personnes l'ont autorisé. Tu n'as pas mis les limites dans ta vie. Tu n'as pas mis les barrières dans ta vie. En 2014, quand je devais rentrer dans le mariage, je fixe la date de mon mariage et c'est là qu'il y a une sœur de l'église qui dit que moi je devais être son mari. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a eu un songe. Et puis il y a un homme de Dieu qui lui a dit ça. Donc elle a fait un clan que moi je devais la marier. C'est la révélation. C'est-à-dire que depuis elles sont dans leur groupe là, elles sont en train de prier pour ça. Donc moi-même je suis fiancé sans savoir que je suis fiancé. C'est-à-dire que j'ai femme de nuit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est devenu un problème. Donc ils sont de vous dire, vous qui avez des déceptions parce qu'au lieu de venir prier, vous venez regarder la beauté de votre pasteur, vous n'avez rien compris. Faut te convertir. Tu vois, maintenant, t'entends envoyer des photos à leur pasteur. La Bible a dit ça. Et j'ouvre mon téléphone, je vois une qui était, c'est fini, comme ça, elle a couché, comme ça. Ma chérie, il faut qu'on te soigne. Et après, c'est le nom des pasteurs qui traînent partout. Fais le bilan. Tu penses que Dieu peut te bénir avec une mentalité pareille? Tu es venu à l'église, c'est pas aller au ciel. C'est pour prier pour que les blocages quittent. Pas pour chercher celui qui te parle. C'est vrai, il te parle, tu as l'impression qu'il est trop parfait, mais lui aussi c'est un homme. Il a des forces, il a des faiblesses. Quand il descend du pupitre, il a ce qu'il est. Il a sa véritable identité. Il a son moi intérieur. Avec la dose de qualité et la super dose de défaut.